Ça a pas marché, c'est déjà compliqué de choper Morty. Si en plus elle tombe pas enceinte au premier coup... Deux mecs! Regardez-moi, c'est l'amour là. C'est l'amour, c'est l'amour. Aïe aïe aïe. Et bon, Morty reste quand même au mieux parce qu'il est quand même plus beau gosse. Bon, tu vas te lever. De toute façon, t'es pas foutu de faire autre chose. Tu vas manger un coup. Hein. Oh. Ça a marché, elle attend un bébé. Oh oui, avec un petit sur le ce qui t'arrive, Shirley a été placée en congé maternité. Maintenant qu'il est, il est temps de kick back and to get a little rest. Allez, donc il faut, faut prendre du temps pour se relaxer et se prendre soin de soi. Avant le big day. Allez, enceinte. La 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 l'air. Et c'est vrai que dans les... il lui changeait la tenue parce qu'elle est enceinte. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Elle est enceinte, ce sera je pense son unique enfant. Parce qu'on va pas en faire 15 000. Elle est contente, hein, regardez ça. C'est the sourire, hein, là. Vous parlez... Alors c'est cul. Pour descendre. Oh, 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 je suis heureuse de dormir. Ça, c'est notre super baraque. Maintenant que Shirley va nous pondre un marmot, la question est, est-ce que je retape un peu la baraque, par exemple, faire la chambre du noubou ici, réaménager un peu tout le reste, ou est-ce qu'on déménage? Bon, on retape. On va attendre qu'elle soit au boulot. Et j'ai changé les saisons. Vous souvenez qu'il y avait deux fois l'hiver? Bah, j'ai quand même rajouté l'été. Et du coup, elle bosse pas? Mais je suis... Oui, bah oui. Oh, elle doit garder charisme et mécanique. Si, elle travaille aujourd'hui. Regardez-moi ça. Le petit bidou de Shirley, gros coups. Tu as besoin de quoi, cocotte? Tu vas faire un pipi. C'est que le début de la fin. Ça y est, elle est à peine en cloque, elle s'est déjà pu marcher. Oh, quel carrelage agréable dans cette maison. On est époustouflé par tant de détails et de beauté. On s'était jamais approché autant, je crois. Il n'y avait pas de lavabo dans leur salle de bain dans les Sims 2, je suis en train de me dire. C'était des gros crades, hein, ces Sims. Et moi, ce petit bidou, là. Un truc qui n'arrivera jamais à la Shirley dans la vraie vie. Jocelyne... C'est pas vrai! Elle a lavé son assiette tout de suite. Alors, il est 9h du matin. Elle travaille. À 14h. Bon, on a le temps. Putain, j'en ai marre de ces journaux. Tu vas recycler. C'est quoi, ça? Ah, c'est notre magazine. C'est vrai. Bon, on s'est tapé Morty. On s'est tapé Sanjay. Vrai qu'on se tape Trevor, maintenant. Oh, magnifique ensemble. Tu as tout compris à la vie avec ton ensemble violet. Dégueulasse, hein, mais... alors ça, c'est bien un truc qui... Je suis contente avec les Sims 4. C'est qu'on n'a plus des tenues de merde obligatoires comme ça et aléatoires, surtout quand les Sims sont ensemble. Est-ce que ton magazine est intéressant? Et c'est une couverture de couture. Couture plus pour tout le monde. Elle est belle, hein, ma petite Shirley. Allez. Tu lis vite, hein, quand même. Faudrait que tu te tapes Trevor. Faudrait que tu te le tapes avant d'accoucher. Comme ça, sinon, on n'aura pas le temps. Ah bah, elle travaille pas. Alors, on va appeler Trevor. On va lui demander de passer. Est-ce qu'il a le téléphone? Oui, il va pouvoir passer. C'est magnifique. Mais c'est pas lui. Mais t'es qui, toi? Mais le Trevor... Moi, je voulais celui qui avait les cheveux longs. Pourquoi il a pas les cheveux longs? Mais qu'est-ce que c'est, ce bordel? Regardez. C'est pas la même coupe de cheveux? Mais c'est quoi ce délire? Celui qui nous avait invité là au truc Art and Craft, qui avait des cheveux longs. Pas grave, on va quand même essayer de le draguer. Hein. Appréciette, admire. Alors le simlish de l'époque quand même me fait toujours marrer. Oh, elle peut déjà le draguer? Tu vas talk gossip? Talk chat? Entertain joke? Mais on s'entend bien avec lui quand même, non? Mais y a pas le coup de foudre, hein. Quoi? Elle a déjà faim? C'est une blague. Mais c'est quoi ces besoins de merde? Je sais, parce qu'elle est en cloque. Mais quand même. Tu vas aller... Non mais, vas-y. Parce que là, t'es pas bien. Et tu vas manger un truc parce que...
Ses cheveux viennent de repousser. Oh bah, il a changé de vêtements, donc sa coupe de cheveux a changé, c'est très logique. Mais elle est crevée aussi, mais what? Mais quoi? Mais comment c'est possible? Réveille-toi, tu vas le charmer. Faut le charmer. Avant d'avoir un encore plus gros bide, là. Mais ça va! Voilà, c'est ça, sa tenue normale. Mais non! Il est parti! C'est pas drôle. Oh là là! Mais qui c'est qui appelle toujours à cette heure-là? C'est incroyable. Vas-y, réponds. Mais elle est déjà claquée! Mais moi, je comprends pas comment ils peuvent être dans de tels états. Ah bah voilà, tombe dans les pommes. Réponds! Ah mais c'est elle! Vas-y, tu fais chier. Va dormir. Quel enfer! Boop! Oh, que ce bide! Ce bide! Allez, rododo! Ah, Charlie, mère célibataire. Elle va te laver, hein, ouais, voilà. Tu pues! Être enceinte, ça vous fait puer, les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et elle a refaim! Moi, j'en ai marre, en fait, un peu, quand même. Hein. Du fun avec cette magnifique œuvre d'art. Qui va valoir 10 simflouz. Être passé 5 jours dessus à faire 10 simflouz. 42! J'ai été mauvaise. Oh, la musique. Et dance. Dance solo. Ah bah non, elle préfère peindre. Quelle magnifique tenue. En vrai, ils auraient pas pu mieux choisir hein, pour la tenue de... Ah, mais qu'elle est mignonne! Elle est choupette, hein. Quelle tête aura son enfant? On ne sait pas. Parce qu'elle, elle est belle. On a choisi Mortique pour père. C'était le plus beau qu'on ait pu voir. Tu vas studier mécanique après. Voilà, elle a gagné déjà mécanique. Mais c'est tellement rapide, c'est incroyable. Regardez-moi comment elle se déplace comme une grosse dondon. Quoi, elle est fatiguée. Putain, sérieux. Eh, franchement, tu me saoules, en fait, tu sais. Et elle a refaim et elle doit repisser. Quel enfer! Mais quel enfer! Bon, écoutez, moi, je vais la laisser faire pendant ce temps-là parce qu'elle commence à... Elle se gère toute seule, hein, entre la faim et l'énergie. Et bah voilà. Mais qu'est-ce que c'est fait? Mais tu fais quoi? Elle va crever de faim. Mais quel con. En fait, elle se... Mais je sais, mais va bouffer! It's the Dion, c'est toi qui m'écoutes pas. Allez, tu vas ranger ça et tu retournes au lit. C'est pas quand même maintenant? Elle va pas déjà accoucher? Pourquoi tu tires une tête comme ça, Shirley? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois qu'on est au moment où... Mais ça va bien?